Yop les potes, vous allez bien, quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hey guys, we found ourselves today for a new... C'est bon, je vais arrêter mes conneries. Mais aujourd'hui, j'ai une influence américaine qui émane de moi. Alors non, j'ai pas mangé de hamburger. Et non, j'ai pas commencé à penser que le lait chocolaté, ça venait des vaches marrons. Mais j'ai vu un dénommé Pamage poster un petit clip, ma foi, fort sympathique sur Twitter, avec un sniper qui avait l'air de qualité, que vous connaissez tous parce que c'est le Tundra. Mais jouer différemment parce que jouer avec une mire. Alors au début, je me dis, attention, ça a l'air très bizarre, vraiment. Une fois sur deux, un sniper sans son viseur, ça pue vraiment du cul, donc je me suis dit qu'il voulait faire le hipster à deux balles avec la grosse beubare et la moustache. Bon, je viens un peu te donner une description de moi, mais apparemment vraiment, ça a l'air plutôt sexy. Donc moi, je suis toujours friand de tester des choses, vu que je suis toujours en reprise de niveau, je vais pas encore aller fumer la ligue, mais on va aller tester ce petit sniper de qualité. Est-ce que le Tundra avec la mire vaut quelque chose ou est-ce que ça pue sa mère? Réponse dans quelques instants. Franchement, depuis que Elgato, mes meilleurs amis, m'ont envoyé une deuxième lumière qui me permet d'avoir du coup une lumière de... Hop là, monsieur, de chaque côté, ok? J'avoue que je trouve mon teint encore meilleur et que je me trouve au global... encore plus sexy que je ne le suis déjà. Donc franchement, profitez d'une telle beauté et d'un tel éclairage, parce que réellement, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre qui ont la chance de pouvoir profiter d'une personne aussi... Aïe, 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 aïe! Oh, non! Dans mon dos. Bon, j'ai survécu et ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent profiter de quelqu'un d'aussi rayonnant que Kaznami actuellement. Alors, désolé d'avoir sorti le pompe. Il a le droit de me détester. Mais c'est pas grave, on enchaîne avec le sniper Amir. Il n'y a pas de souci. Non, en vrai, je suis en train d'effectuer les derniers petits investissements pour rendre... Aïe. 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 Attends, le scope. Boum. Si le noscope passait, je jure que j'aurais léché mon caleçon plein de merde. Avec grand plaisir. Hein, sans... Bon, j'avoue, j'abuse un peu, mais c'est pas grave. Je suis en train d'effectuer les derniers investissements pour rendre mon setup encore plus quali. Prochaine étape, après avoir acheté le micro de caméra, après avoir acheté... Hop là, après avoir acheté trépied, tout ça, machin, je vais acheter une autre caméra. Donc une deuxième caméra qui me servira pour vlog, mais aussi... Pour les streams, mais avec encore meilleure qualité. Alors, on m'a parlé de Sony A7S II, de machin, etc. Avec les frais de société, maintenant, voilà. Frais de société, TVA remboursable. Vraiment, je suis devenu un boomer, frère. Je suis devenu un boomer. Moi, je suis là comme ça. Le matin, t'as fait quoi ce matin? T'as fait des vidéos, des streams, vu que c'est ton métier? Non, frérot, j'ai fait de la compta, j'ai répondu à des mails. Ah bah ouais, frère, c'est aussi une facette du métier, vous croyez quoi? Bref, donc, je vais essayer d'acheter une nouvelle caméra. Peut-être un Sony A7S II, parce que j'ai aussi envie de streamer. On m'a dit que le 3 pouvait surchauffer. Alors t'imagines, t'es là, t'achètes un appareil à... Oh, dommage, un appareil à 2500 boules. Et t'es là en train de stream et au bout de 2 heures, il chauffe trop et il s'éteint. Bon, je pense que si ça m'arrivait, vraiment, ce serait deux doigts en direction de la prise électrique la plus proche. Et surtout, un coup de tête auprès du vendeur qui me l'aura conseillé. T'as pas envie d'avoir un coup de tête du crâne le plus chauvéliste de France, mon gars. Moi, je te le dis. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un par ici. Eh, hey, sniper à la mire. Là, on a fait un début de partie pas dégueu. J'ai envie que ça continue. En plus. J'ai eu peur. Tu sais, il y a eu un moment où il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé, tu vois, on s'est dit, ok, là, c'est à celui qui réagit le plus vite. Bah, a priori, c'est moi, hein, monsieur. Hein? Attends, je suis en train de les fumer. Là, je vais péter. Mais 3 fois d'affilée, mon gars! Tu crois quoi? Reviens une quatrième, bébé! Reviens une quatrième, hein! Moi, la quatrième, je te chlasse aussi, hein! Je te chlasse au pied. J'ai fait reprendre le spawn à mes alliés! Mais vous vous rendez compte de l'importance du move que je viens de faire? Ça vient de faire le move. Mais il est trop drôle, ce sniper. Mais il est trop drôle, ce sniper. Ha ha ha. Funny sniper, ma couille. Funny sniper, I said. Ok. On rigole fort. Je rigole fort. Vous savez pourquoi je dis funny sniper? Oui. Ça me fait penser à Mai quand on était allé à Cracovie. Elle avait envie de trouver un bar marrant et elle avait littéralement tapé sur Google bar funny Cracovie. Et c'était le bar le plus nul où on est allé de notre vie. Bon, c'est la petite anecdote comme ça. Mais il y a des blédards qui font ça. Bref, donc il faut que j'achète une nouvelle caméra. Puis quand j'aurai la nouvelle caméra, on sera réellement qualité Netflix assurée en termes de setup. Et ça me fait grandement... Oups, je suis en train de choke. Plaisir. Bon, vous allez bien ou quoi? Moi, il y a un sport... Ça va. Je me rattrape. Il y a un sport qui est en train de me rendre fou, mais qui est en train de rendre fou beaucoup de peuples. C'est un sport nommé... je sais pas si vous connaissez le football, quoi. À l'heure actuelle, que vous soyez parisien, lillois, marseillais... On est tous en train... Oh, désolé. Monsieur, il allait dans le feu! Eh oui, t'allais dans le feu, petit! T'as pas
choix, hein. T'as senti cette douce flamme qui t'a caressé le troufiaque? Eh bah ouais, mon gros, je ne t'ai pas laissé le choix. Donc à ce moment, le football nous rend fous, hein. Notre immense Ligue 1. Ok, petit marqueur. Non, je l'ai raté. Mais je suis un putain de choker. Je l'ai raté, frère, je m'en veux. Mais je suis nul. Donc la Ligue 1 qui est... Oh, on est en train de perdre en plus, ça faut qu'on aille dans le point. Il y a notre bonne vieille Ligue 1 qui est extrêmement serrée, d'accord. Lille, Lyon, Monaco, tout ça. Ça joue dur, hein. Il y a même mes frères lillois qui... Oh, le turn, monsieur. Ça s'est fait turn, voilà, je le dis. Il y a eu mini-turn. Qu'est-ce que mini-turn? Il y a eu bon turn, sa grand-mère. Hop. On va aller dans le point. Aïe. Attends, on va commencer à jouer l'objectif, peut-être. Sniper Amir. Le sniper Amir, on va avancer. Quelqu'un là-dedans. Donc là, ce soir, il y a eu journée de Ligue 1. Lyon gagne, dernière minute contre Rennes. Hop là, let's go dans ta mère. Il y a Lille qui arrive à gagner dernière minute contre Lille. Enfin, contre l'OM, pardon. Il y a Strasbourg qui gagne dernière minute contre Monaco. C'était important de prendre ce kill. Donc réellement, c'est un truc de ouf. Je vous jure, ça fait longtemps que le football m'a pas autant fait vibrer, autant fait kiffer. Et c'est tellement dommage de pas pouvoir le vivre au stade. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire Wuhan. On vous aime pas, putain. Ça casse les couilles, vraiment. Alors quand je dis on vous aime pas, vous doutez bien, hein. Je parle pas des habitants d'Wuhan, les mecs ils ont subi aussi la crise, hein, comme nous. Je parle plutôt de ce putain de virus de merde. J'avoue que vivre tout ça au stade, à faire le petit ultra lyonnais, mes couilles, ça aurait été un grand kill. Mais pourquoi ils sortent du point ces putains de joueurs de kill? Voilà, monsieur, c'est... Alors, Lamir, là comme ça, en close range, c'est fort. Non, très short range, comme ça, là. Enfin, très long range, pardon. C'est compliqué. Enfin, c'est un peu plus dur, c'est un peu moins efficace, alors. Oh, la frappe au napalm. Et c'est pour ma gueule, je suis mort. Allez, je suis dans le coin, c'est bon. Je m'en sors. On y va. Peupon, sniper, sniper, peupon. Oh, je suis mauvais. Jack Price, il me met du sale, frère. Il est en 27-23, en plus, il est naze. Alors que moi, je suis en 23-10. Mais on perd. On perd parce que je joue avec des joueurs de kill. Et parce que moi-même, je joue pas l'objectif de manière... Très efficace, voilà, Jack Price dans ta mère. Donc vive la Ligue 1, vive le football, et vive ce sport qui va tous nous unir sous la crotte au cul. Et on espère bien sûr, alors ça j'essaye pas de vous orienter, hein, mais une victoire de l'immense Olympique Lyonnais à la fin, au moins dans une coupe, ça ferait plaisir, histoire de, tu vois, se redonner un petit peu de mieux. Tu sais quoi, j'ai envie d'être confiant. En ce moment, c'est important des fois d'être confiant dans la vie. Tu sais, le corona, le confinement, tout ça, le couvre-feu 18h, ça nous casse tous les couilles, hein. Oh putain, c'est dur, hein, c'est dur à des moments. Le confinement, le corona, tout ça, ça nous casse tous les couilles. Mais vas-y, tu sais quoi, je suis confiant. Dans quelques semaines, quelques mois, ça ira mieux. Et on pourra peut-être avoir un semblant de vie correcte. Un petit peu comme l'été dernier. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Pouvoir voyager un peu, pouvoir s'amuser un peu. Let's go, je l'ai eu. Hop, le double. Pouvoir retrouver un petit peu de liberté, en somme, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et ce serait un immense plaisir de pouvoir, voilà quoi, ressortir sans avoir à rentrer à la niche à 18h. Ça me rend fou, ça. Quelqu'un. Ok, c'est bon. Oh non! En plus, il y avait une collate à aller chercher, là. Là, c'est difficile à gagner, hein. Là, ils ont plus que 10 points, 20 points à mettre. Mais ouais, rentrez dedans, frère. Enfin, moi, j'ai 45 secondes dedans, quand même, hein. Pour un mec au sniper, Amir... Oh non, en vrai, sniper Amir, c'est marrant. C'est compliqué, mais c'est marrant. On va essayer de jouer la remontada. Aïe, j'ai raté. C'est bon, mon allié m'a sauvé. Quelqu'un d'autre. Attends, je sors le pont. C'est bon, le kill a été pris. Oh, gros kill! Gros kill de la part de Zach. Je push au pont, je m'en fous. Je veux d'abord gagner, là. Attention, on reprend la mire. Je pue la merde. Aïe, mais ils sont tous là. Hop là, let's go. Il y a un hélico et tout. Oh vraiment, si on remonte, je monte ma bite. Si on remonte, je monte un OnlyFans, frère.
OmniFan, hein. Mais crois-moi, gros, je mets mon Troufia en HD, hein. Oh non, ils ont la rotation, putain, merde. Aïe, il en reste que 15 points. Aïe, il est bien placé. Oh, c'est dur. Oh, ça va être... Ça va être... Pas être dur, ça va être impossible, cousin. Dommage, dommage, dommage. Vous allez rater le Troufion en HD, monsieur. Hop. Ah, dommage. Le temps de viser a été un poil long. Ce sera pas pour cette fois. Petite game perdante. Oh, attends, c'est pas fini. Bah, c'est fini. dommage. Petite défaite, mais influence. Je suis celui qui a le plus de temps de points. Bon, ça va. Au moins, on pourra pas dire ça que t'as pas fait l'objectif player. Ce petit sniper à la mire est catcheur, franchement. Pour une vidéo faite comme ça le soir, un peu ghetto, je trouve qu'il y a eu de quoi faire. En tout cas, petit cold war là. Franchement, la saison 2 est sympathique. Apocalypse, vraie bonne map. Les deux armes qui ont ajouté sont cool. Sur ma première vidéo, j'avais dit que la L je la trouvais pas terrible. Alors comme par hasard, ça a été une bonne vie, une bonne arme. Apparemment, même sur Warzone, elle est très très utilisable et très très utilisée. Donc ils ont fait un bon taf. Ça manque malgré tout d'une map de 6v6. Mais pour l'instant, j'enjoy. Je suis en train de finir mon Dark Matter, donc j'ai hâte de pouvoir flex avec, même si j'arrive quelques mois après la teuf. C'est pas grave. Pour le reste, j'espère que ce petit sniper Amir vous a convaincu. Personnellement, j'ai bien aimé, mais ça ne restera pas mon grand kiff. Merci Pamage pour les conseils, mais pour la prochaine fois, peut mieux faire. Hein. Entre tes mains, c'est un peu plus puissant que entre les miennes. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne vidéo, et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.